Azurem Business Multiservice, nous facilitons de voyages dans tous les pays du monde. Afrique du Sud, Turquie, France, Canada, États-Unis, Dubaï, Chine et tant d'autres. Frais de colis et courrier, cabine publique. Gérer un business, voyager, fêter, c'est notre passion. Venez, vous ne serez pas déçus. Pour tout contact, plus 243 97 46 13 188 081 39 190 79 085 266 86 79 Avenue Lumumba, coin Roué. Ah ouais, je suis voyage à Syrie. J'ai un business. Il y a un mbata, multiple entrée. Tokos. Vraiment, il y a pour mon avis, non. Malheureusement, en Rwanda, je n'ai pas eu l'occasion. Au programme Ezagi Molaï, il fallait beaucoup d'un investisseur au Baroya pour aider Bisso Toto Molamboka. Mais ici, comme l'occasion s'est présentée, dans la vie, il faut un monde à Banamboka. Il y a l'Iboso évidemment n'a pas apprendre bino rien. Vous voyez qu'il y a eu des élections, Nambo Kanabiso. C'est vrai que l'élection en est les Kani, Namwa, Bakokoso, mais le Congo, vous savez, il y a déjà quand même moins miracle que l'élection est salée. Tu vas profiter. Et surtout, opposition vous te gagner. Victoire, mon ami. Mais c'est une pique au couf. D'ailleurs, la preuve, Bino Boza di Banda, parce que pays, ils ont offert Bino sous espoir, ils ont offert Bino sous la possibilité, donc, pour que vous nous ailleurs. Mais vous voyez que l'effort, il y a une équipe qui peut accompagner, ils ont dit, Banamboka, Nyon sur la diaspora, Bazon, Banamboka. Donc, pote et donc en dégonnant ça les mains, ça demande d'abord la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc ça va être vraiment la priorité des priorités. Et je crois d'ailleurs qu'au Bomoni, que la première réunion que j'ai tenue immédiatement après la passation de pouvoir avec mon prédécesseur, c'était la réunion du Conseil supérieur de la défense, parce que je tiens à suivre de jour en jour la situation de notre pays, surtout à l'est du pays où menace il y a instabilité et Zali Makassi. À l'occasion de la campagne électorale Tosalaki, Nana Ndeko Vital Kamere Nakadre Yakash, coalition Nabiso, nous avons découvert beaucoup d'horreurs dans ce coin de la République. Bossa Benza Yakol est là, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Tandé Bonabiso Yakuna, Beni, Boutembo, Massisi, mais partout là-bas, Babouchou, ils souffrent sérieusement. Vina Bango est allé en fer, on les a vidés. Et on ne peut pas se dire dirigeant Yamboka en ayant des compatriotes qui vivent dans cette misère-là. Il faut absolument tout ça là tout. Tobi Misaba, on a passionné. Ça, c'est priorité. Je parlais des réunions avec le Conseil supérieur de la défense, mais immédiatement après, j'ai réuni le haut commandement de l'armée, parce qu'il faut qu'il y ait état, il y a morale, il y a la troupe Nabiso. Pour que nous devons trouver un affront. Qu'il n'y ait pas si, pas difficulté dans Bango, etc. Donc tout ça est enregistré. C'est quoi l'effort, tout ça, les alliés à Koduka, qu'on tient Bango dans la condition idéale pour la Kopunda, Bitumbaana, oui, les Ubiso, la Tinate, parce que tout le monde, pourquoi Biso va Congolais trop souffrir pour été uniquement pour que Yambaka ne paye pas dans Biso. Donc, il y a des Biso là-bas. Alors,
De ce côté-là, vraiment, je tiens à rendre hommage à la force armée en Abisso, parce que ce qui pour moi, ma condition de vie, il y a pas famille en Abisso, parce que dans les cas qui va même côté là, le camp au Pembe ni Nangai, quand ça dit, c'est terrible. Donc, vraiment, je dois admirer par ma case parce que comment, Naomi Tuna, comment, à cause de la force, il y a beaucoup dans la front, bah, et puis que, c'est pénible. Donc, vous avez vraiment parmi la priorité, vous êtes à l'aise pour la morale, parce que nous avons, je pense, une des meilleures armées de l'Afrique, peut-être même sur ce pays qui va en faire. Donc, précisément, par condition, ce sera même l'une des meilleures armées du monde. Vraiment. Alors, à part ça, évidemment, pour les bibles, problème n'y en sort. Ça, là, sur le plan social, d'abord, on va attaquer le problème à la jeunesse. La jeunesse, moi, les jeunes sont mes amis, les enfants sont mes amis. L'avenir, il y a Congo, des. Et ça dit qu'on importe. C'est pas que la boîte ici va couler tout, va Nicolo, non, mais va Nicolo parce que ça vit dans le Bango et c'est un gélé tout qu'on dit ça à venir et à Congo. Parmi justement ma caméra rotale et pas ma jeune, il y a l'éducation. C'est que beaucoup de nos jeunes ont raté le parcours scolaire. Parce que ma parent Bazali n'a pas moyen de, ou bien ma condition, Ezali, côté Bazali, ma guerre, Ezali, enfin, il y a plein de raisons, Ezali, Ezo, qu'on expliquer pour justifier ma camarade. Donc, priorité, Ekopé Sama, na jeunesse. Comment? D'abord, tu peux améliorer dans le cadre où Ezali, on a, l'université, l'institut supérieur, il faut qu'on tient par mon âme dans ma condition, dans ma haute, dans ma haute, dans ma haute, dans ma haute, déjà. L'autre étape est Ali, la prochaine rentrée scolaire et académique. Tokotala, d'abord pour les secondaires dans la primaire, Tokotala tout pour que la rentrée prochaine est à la gratuite. Obligatoire, à un village, à un wapi, quoi que classe. Et donc, ça, on a comme un niveau en âme, ça, je crois que c'est quand même le temps de passer pour changer ma mentalité. Il y a un patron de Nabisso, vous voyez qu'il y a un village, on a parents Nabisso, autant de bottes, moi, il faut que je suis bilan, je suis parapétant, donc c'est vraiment un travail, vous avez sur mon temps. Et puis, il faut qu'on construise une école. Le plus proche possible, il y a pas lieu, donc tout ça, c'est un plan à plus ou moins long terme, mais dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est déjà d'arranger le cadre, les alliés, les contacts sont déjà là, donc on va essayer d'avancer. Voilà, et alors maintenant, il y a les jeunes désœuvrés, c'est vrai, mais on oublie que c'est la société des fabriqués. Donc, il faut aussi penser à eux, mais surtout pas aux orphelins, mais surtout les revanches qui assurent le monde. On dit, pourquoi ils ont souffert? Et ils se vengent sur. Donc, il faut qu'on encadre.
Et là, il y a un très bon travail, ils ont se préparé avec l'armée, tout ça, parce que c'est le fameux service national. Vous voyez que la campagne, Nangana Lobaki, qu'à la longue, il faudra, les jeunes, ceux qui sont ici secondaires, tous les jeunes de la République, après ça, une année, parce que comme l'État va garantir l'éducation à Bamonion gratuitement, après ça, une année, l'État, en faisant soit service militaire pour nous défendre la patrie, vous voyez, pour la protection de la patrie. Et bien que ça, le service civil, service citoyen. Alors, tout ça, dans le cadre, où il y a un service national, mais pour le moment, le service national est au Bana, nous, pour ça, ça va jeune désœuvré, pour ça, ça va un métier, hein, bah, plomberie, bah, électricité, bah, tout. Comme ça, ce qui par moyen, mon ami, ce qui par bimikuna, a du moins crédit, a donné déjà moins entreprise naïe, avant nous ça là. Donc ça va diminuer le banditisme. Et puis, l'autre problème, c'est la salubrité. Vous voyez, puis, par pays, n'a pas besoin de ça, surtout qu'il y a ça, la salité, mon compte derrière, à Bodoka. Côté, on a contact besoin de l'entreprise, Oyo. Il y a un ramassage et un traitement de déchets qu'on a pour transformer en énergie. Donc, d'une part, pour rendre la ville propre, d'autre part, pour créer énergie, pour fournir énergie pour régler le problème de délestage. Donc, ça aussi, c'est dans le programme. Évidemment, pour espérer qu'on paie un coup de pouce. Entrepreneurs, jeunes entrepreneurs congolais. Pas congolais, et belé bazana mayele, et belé bazana baïdé, mais malheureusement, bazana coincé, faute de moyens. Nous créerons des moyens pour nous jeunes congolais, pour créer une classe d'affaires congolaise. Et on va voir avec la loi comment ce sera possible. On a obligé, comme ça se fait dans d'autres pays, les étrangers à ouvrir leur capital quand ils viennent pour travailler au Congo, ouvrir leur capital à des Congolais, des entrepreneurs congolais, pour protéger l'économie Nabisso. Parce que l'économie Nabisso, pour le moment, elle a diversifié au point de vue. D'ailleurs, je dirais même, elle a plus. D'ailleurs, dans ma boko, il y a entrepreneurs étrangers. Contre qui je n'ai rien de mal non plus, mais je pense quand même qu'il faut, classe d'affaires congolaise, d'abord il faut créer emploi et payer, et puis il faut créer classe moyenne, donc ce sont ces entreprises-là qui créent beaucoup d'emplois et PME. Ensuite, les gros investisseurs, bah, vous allez peut-être avantager bah, dans les conditions pour que la bah, condition en a et Coca-Cola. Zala attrayante et attirée par Mbaya. Mais Mbaloyo, Bisotobi, c'est terminé, il faut qu'on a bouillé, aux yeux qu'on a minéré au Kenao. Maintenant, il faut qu'on encourage les investisseurs, on a pas ça dans l'industrie à transformation. Ça crée de l'emploi. Voilà. Je crois que j'ai un peu. Embrasser toute la situation. Pour terminer, dans le bacala que Waneza appelle dans l'ancien Abino, il y a unité. Donc, les Tumbao sont menés, il y a pour tomber la Congo, et ça, il y a pas Congolais Nyos. Mais dans le bacala, je vous confirme qu'il y a élection dans là, et ça, les victoires, il y a quand mon côté contre quand mon sous-sous. Même Baoto Bundisaka lobby, le camp Kabila, les lots basa par partenaire pour te reconstruire Congo. Parce que ceux qui te lobby, ils continuent à Bundisaka, ceux qui te lobby, ils vont régler leurs comptes. Ceux qui te lobby, ils vont kanga. Donc, Bango peut s'organiser, neutraliser Bissau, et qui va payer, c'est le Congo. On ne peut pas aller toujours de vengeance en vengeance. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Votre par exemple, le cas de Nelson Mandela. Soki Mandela, le bagage, bon, j'ai passé 27 ans de ma vie, du coup, là, il y a un peu de paix. Donc, on a fait ce qu'on a dans la vengeance, au nom, il y a un peu de Koufa, parce que Biko, Bananito, Koufaka. Je ne crois pas qu'Afrique du Sud est née à
Donc, c'est vrai qu'il y a eu des choses dans ce pays, mais tout y que là, état de droit au biso, au cotisa et à vos réclames. Ce qui biso te bandit, au salaire, biso mon règlement de compte, tu vas s'en sortir. Parce que peut-être biso te redosé ma casse, au l'éca, et puis. Enfin, ça va. Et puis, bah, comme on va qu'un exil, et puis, non, c'est fini ça. Bah, exil, bah, réfugié politique, non. Congolais, Nyonso, il faut avoir un Mbokanaye, avoir la place dans Mbokanaye. Ce qui a Salaka Mabé, ce qui a Salaka Mabé, la victime Naye, va saisir le tribunal, la cour et le tribunal, et on va ouvrir le dossier. Mais plus jamais, Toki Misaka, parce qu'on a vu le Libanda, tout ça qui a condition que, comme il faut que nous sommes là, pas tout nous sommes, parfois même dans des conditions difficiles. Peut-être que même qu'on soit sous-évalué, alors qu'ils pouvaient donner mieux en étant dans leur pays. Donc, c'est ça le message. Et surtout, tant dans le bas unité, beaucoup il y a dans la campagne, il y a Bozoba, il y a Kindoki, où est-ce que ça, les manicoloïtés. Vraiment, je suis triste de voir que ce sont nos frères avec qui tu partages les mêmes idées dans l'opposition, qui sont à la base, il y a agitation de nature à ramener la considération tribale, la tension ethnique entre les Congolais. D'abord, nous n'allons pas laisser faire ça. Démocratie ou pas, en tout cas, celui qui va s'adonner à ce genre d'activité sera neutralisé au nom de la loi et de la France. On ne peut pas accepter que tous les efforts autres doivent fournir pour que les Congolais soient unis et à la saper à cause des conditions, des considérations plutôt, qui sont basées d'ailleurs sur rien. Parce que, dis-le-lo, je vous dis, nous avons la certitude, nous avons même les preuves. Tovandaki na motozozela, que bon, totalanango proclamé, nanya wabini gagnant, pour tola qui sabino que ezalokuta. À partir du moment où nous avons été désignés, Tolobi, Torovan Daniel, parce que c'est la vérité des urnes qui a été dite. Il y a eu de la manipulation et on veut continuer à manipuler l'opinion. Parce que maintenant, c'est le peuple qui a gagné. Nous avons eu des élections et ça l'est mis de manière pacifique. Et puis, le candidat qui était désigné par la majorité sortante n'a pas été élu. Et l'Okotago, l'Okazaki, changement, le changement est là aujourd'hui. Alors, nous tendons la main à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la logique du changement. Et même ceux qui vont choisir d'aller à l'opposition, pas comme on a que les choses seront différentes. Parce que tout ça, là, exactement, les constitutions sont au Sénégal. Donc, l'opposition va désigner chef de file, comme le demande, comme le prévoit la Constitution. Et dans l'Assemblée nationale, il y aura même un président de la Commission des finances. Ouais, vous avez un président de la Commission des finances, il faut être opposant. Pour avoir un droit de regard sur les finances de la République. Comme ça, nous allons donner beaucoup de moyens à la presse pour permettre que la presse soit la véritable quatrième pouvoir. C'est-à-dire, pas qu'on dénoncer. Qu'on manipule, au fin de la télé, tout le monde a par certains journalistes, mais pour ça, la Moussala n'a pas donné le mot parmi. Trop ça va moyen de renforcer la capacité. Et surtout, la justice. Parce que vous voyez que l'état de droit est fanda, et fanda kana, socle dans la justice. Justice n'a pas de l'eau, ils allaient pour la coton, la magistrat n'a pas de l'eau, mais il y a beaucoup de corruption. Les lois impunité, ils en ont beaucoup, ils ont parce que le juge, ils ont dit que ça n'a pas monté. Et Bélé, ils ont dit que ça n'a pas monté, ils ont vraiment que ça, le contraire, il y a droit. Donc là aussi, on va mettre un ministre d'abord de la justice, ouais, vous allez être très dur,
et dont la mission est aux aéroports aux hommes ça et une ambition d'Anzela. Donc ça, ce sera fait avec beaucoup de rapidité, beaucoup de détermination surtout, parce qu'il faut que ma mentalité ait changé. À tout va, mais c'est ni pendant des générations et des générations, il y a Gondimaka, Kanyaka, corruption, en tout cas, Toto Kendena Pongo, Moko, Obilo, Kwanele, la suite. Ce n'est pas normal que Batoubaye, pour pas ça, il a dit ce bolam, on en boca. Beaucoup de ministres, nous avons dit que non, là, il faut d'abord vous garantir la commission. Collaborateur, on a baillé bien mon assain et bici par moi. Ma bisso qui bozoya n'a pas investisseur à moi. Nayo kate que avant pas mon anga au Sénat et mon bon mot, tout bon. Soki Nayoki, on s'en a ici. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Naïvité, si. Il y aura aussi des jeunes qui sont venus de loin, comme vous là. C'est pas grave. Comment on a. Je reprends mon de Chansa Bilonda. Je suis la représentante de la CCR. Maintenant, moi, je suis le président de toi. Félicitations encore pour votre nouveau poste. Ce que nous voulons, c'est que si vous pouvez nous aider, nous voulons voir l'annulation de visa, allègement par rapport à l'obtention de visa, parce que ce n'est pas facile pour les Congolais ici à Nairobi. Même pour avoir les visas kenyans. Les visas kenyans, oui. Le permis de travail. Le permis de travail. Non seulement les visas. Je vais. Je vais voir le président tout à l'heure. Même pour le permis. Bon, de toutes les façons, tout ça est pour toi désormais. Oui, voilà. Préparez, je vais demander, je vais parler. Vous savez, ils ont. Donc. Ils doivent privilégier leurs compatriotes, leurs élèves. Le deuxième point, c'est, bon, vous avez aussi répondu, mais je voulais dire, nous avons rencontré certains investisseurs qui aimeraient bien venir investir. Mais le problème qui est, comme vous avez dit, donc, comment vous voir sans pour autant passer par l'intermédiaire, parce que l'intermédiaire va se bloquer par contre. Non, c'est pas moi qui vais commencer à décider de tout ça. Il y aura une structure de bêtises, on en connaîtra encore. Hein. Mais maintenant, on va demander aux investisseurs de dénoncer ce genre de pratique. Ça va nous aider à sanctionner. Merci. Félicitations, Monsieur le Président. Merci. C'était déjà une jeune. Hein, bon, mais au compte des mamans, parce que vous n'avez pas assez de temps, oui. Je vais peut-être poser la question par rapport au prix du passeport. S'il vous plaît, oui. Son Excellence, réduisez le prix du passeport. Je crois que c'est possible. Je Merci. Crois vraiment que c'est possible. Merci beaucoup. Je crois que ça va être fait. C'est possible. Ma deuxième préoccupation, Son Excellence, c'est par rapport à l'intégration de notre pays dans la communauté est-africaine. Nous sollicitons que notre pays puisse aussi intégrer la communauté. Ça nous permettra d'avoir certains accès, certaines facilités par rapport à... C'est très bien. Vous êtes très intelligent. Merci. Vous êtes très intelligent. Parce que ça a fait partie des discussions. Notre communauté est organisée en des associations ici au Kenya et nous voulons que le gouvernement puisse s'impliquer aussi par rapport à améliorer les conditions de bien-être de notre communauté. Nous travaillons certainement en partenariat avec notre ambassade, nous félicitons aussi leur support et apport aussi dans tout ce que nous faisons. Mais la communauté est en train de souffrir, Son Excellence. Nous prions que votre gouvernement puisse aussi voir comment assister. Certainement, nous avons besoin de rentrer chez nous, mais nous sommes encore ici. S'il vous plaît, veuillez aussi voir. Dans quel sens, je sais pas. Nous avons des projets, nous avons aussi. Il y a certaines activités que nous organisons sur le plan local. Nous assistons certaines familles.
Vous savez, chez nous, bon, la situation de chez nous, ça se répercute ici. C'est-à-dire que c'est que les gens vivent, comme vous avez dit, que la population souffre, nous souffrons aussi à l'étranger. Alors, pendant que vous réfléchissez sur la population congolaise vivant au pays, priez aussi de réfléchir sur ce que, avec la population qui vit ici. Et pour terminer, c'est par rapport, c'est juste peut-être une petite recommandation, Excellence, veuillez éviter toutes les personnalités qui ont évolué dans les services, dans les gouvernements Kabila. Je veux dire, des personnes, des individus. Par exemple, certainement, vous avez dit que vous voulez travailler avec, c'est ce qui est bon pour l'unité du pays. Nous allons aussi tous changer notre mentalité pour voir comment cohabiter et puis faire progresser le pays. Mais certaines personnalités, certainement, par exemple, dans le PPRD, par exemple. Ne citez pas les noms. Non, je ne vais pas citer. J'ai compris. Je ne vais pas citer. Merci. Donc, on peut avoir un ministre du PPRD. J'ai compris votre problème et je peux vous dire que c'est aussi mon point de vue. Merci. Moi, c'est Gédéon Mugisho Baleke. Je représente les étudiants congolais au Kenya. Comment ça se passe? Vous êtes boursier ou... Non. Les parents payent pour le faire. L'université. C'est dur. Ah oui. Les parents sont ici ou... Ils sont au Congo. Ma préoccupation est, en 2015, un agenda avait été signé aux Nations Unies. Parce que nous avons la chance de participer à plusieurs conférences ici au Kenya pour les objectifs de développement durable. Et nous avons remarqué la fois passée en 2018 que les autres gouvernements utilisent leurs gènes pour l'implémentation de ces objectifs qui visent le développement de toutes les structures du pays. Mais quand on regarde notre pays, il n'y a pas une porte pour laisser entrer les gènes afin de contribuer au développement du pays. Alors, nous voudrions vous demander de collaborer avec les Nations Unies pour la structure des Youth Committee afin que les jeunes congolais puissent aussi intégrer et contribuer au développement et l'avancement du pays. Merci beaucoup. Et là, je vais juste vous calmer pour dire que juste, je vous ai dit dans mon introduction que la jeunesse sera au cœur de nos préoccupations. Et le but, évidemment, c'est d'améliorer ses connaissances, son éducation, etc. Déjà son cadre de vie. Ensuite, on verra comment on va équiper les auditoires, les amphis, etc., pour qu'ils aient accès à tout ce que les jeunes de leur âge ont accès. Aujourd'hui, le monde est très compétitif. Nous préparons, évidemment, l'avenir du Congo. Il faut que notre jeunesse soit suffisamment armé pour ça. Donc ne vous en faites pas. Ce sont des sujets qui arriveront le moment venu et nous ferons le nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Le ministre de la Justice, M. Tambwe Mwamba, a déjà été saisi pour nous faire la liste de tous les... Frank Jongo. Fermin. Fermin. Donc tout être libéré et plus jamais ce genre de choses ne doit arriver. Donc bientôt d'être réfugié. Merci, personne. La situation. Moi, je représente les réfugiés ici. Mais n'a pas fait la législation. Je travaille pour mon pays. Je travaille avec la ministre.